Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de A Nest in the West. Nous allons tout de suite rejoindre Nathalie au château de Saint-Germain-en-Laye qui va tout nous expliquer. Bonjour à tous, après notre étape animation de Noël de la ville de Saint-Germain, nous allons nous arrêter aujourd'hui sur le château, monument historique de notre belle cité. Initialement, c'est le château neuf, commencé par Henri II puis achevé par Henri IV, qui voit naître Louis XIV en 1638. Ce sera le dernier roi de France à y séjourner. Il quittera la ville le 20 avril 1682 pour installer la cour à Versailles. Nommé Château Vieux, le château actuel conserve un donjon et des fondations datant du Moyen-Âge. Jusqu'en 1682, Saint-Germain est la ville de résidence des rois de France. 29 d'entre eux y ont séjourné. Le château vieux, tel que nous le connaissons actuellement, deviendra à l'initiative de Napoléon III, le musée d'archéologie nationale régulièrement visité par les touristes et les écoliers de notre région. Place maintenant à la grande terrasse. De 1661 à 1682, le roi Louis XIV passe une partie de son temps à Saint-Germain. Il fait appel alors à l'artiste Le Nôtre pour créer les jardins à la française ainsi que la grande terrasse qui surplombe la vallée de la Seine. Un travail de terrassement énorme pour créer ce belvédère de 2400 mètres de long. Je vous donne maintenant rendez-vous pour une prochaine étape gourmande sur Saint-Germain-en-Laye et vous dis à très bientôt.